La magie de Noël a encore frappé. Résultat, des enfants heureux et comblés. 1300 enfants venus de tous les quartiers et villages d'Agoville pour vivre l'ambiance de cette fête en compagnie de leurs parents. Après le divertissement, place aux cadeaux. Deux autres Pères Noël pour l'occasion, le député Adama Bick Togo et l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, Faustin Mongengui. Aujourd'hui, cette joie que j'offre aux enfants me procure à moi-même beaucoup de joie, mais en même temps me donne quelques tristesses parce que je sais qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ne vont pas aujourd'hui bénéficier de ces cadeaux. Mais je pense que c'est un élan de solidarité que j'essaie de lancer pour que demain, au-delà d'Agoville, ce soit toute la Côte d'Ivoire entière qui puisse profiter donc des dons. Avec tous ces cadeaux, ces enfants passeront, c'est certain, de joyeuses fêtes de Noël. Je suis très contente parce que tonton Bick Togo a pensé à nous et puis nous a offert des cadeaux pour Noël. Un arbre de Noël à Agoville, un moment de convivialité et de bonheur partagé. Les initiateurs, quant à eux, veulent en faire une tradition.